Et salut les amis, c'est Flamme et bienvenue sur la chaîne Les Petits Phoenix. On se retrouve une nouvelle fois sur FF7 Rebirth pour l'épisode 54. Et j'espère que vous êtes en pleine forme pour me suivre tout au long de ce Let's Play. Moi, toujours au taquet, hein. On se régale avec ce petit FF7. On a eu des moments un petit peu durs, mais ça va beaucoup mieux. Et là, on va continuer l'histoire principale. Car apparemment, Red veut retrouver son grand-père. On n'en sait pas plus pour le moment. Donc, j'ai hâte de vous faire découvrir cela. Donc, pour m'encourager, comme d'habitude, je compte sur vous. Les j'aime et les commentaires. Et je vais essayer de vous offrir un let's play de qualité, les amis. Allez, c'est parti, on y va. On s'installe bien au fond de nos fauteuils et let's go pour ce let's play. Donc là, on est situé au village de Cosmo Canyon, dans la région de Cosmo, bien entendu. Dans l'épisode précédent, on avait regardé un peu les différentes boutiques qu'on avait tout autour de nous. Il y avait pas mal de petites choses à voir, c'était très intéressant. On a pu découvrir quelques objets, quelques joueurs de Queen's Blood également qu'on a vaincus. On les a tous faits, je crois d'ailleurs. Donc impeccable. On avait aussi pu terminer l'épreuve de l'envol de Chocobo, d'entraînement numéro 3 qui était bien compliqué. Donc je pense que ceux qui veulent faire le FF7 et arriver à terme de toutes ces épreuves, je vous conseille d'aller voir cette vidéo, n'hésitez pas, car il y a un petit bug apparemment. Alors je sais pas si c'est un bug volontaire ou involontaire de la part des développeurs, mais c'est bien de le savoir. Allez, c'est parti. On va se diriger sur l'histoire principale. Alors j'entends des chants, ça chante. C'est un lieu historique. C'est la plus ancienne auberge de toute la vallée. Ah, ça rappelle des souvenirs, ces chants-là. Je crois que j'ai déjà entendu. Je rêve de venir à cet endroit depuis que je l'ai vu dans un guide touristique. Alors, par contre, je sais pas du tout où je dois. Où dois-je aller? Ah, il y a des choses qu'on n'a pas vues encore. Je vois qu'il y a du piano. On n'avait pas fait ça. Ah, un nouveau morceau de piano. Bah, je peux pas partir sans avoir testé ça. Et ben, on va tester le nouveau morceau. Tout. Legs, nothing to hit. Mon super accent anglais comme d'hab. On va tester ça. Alors, la dernière fois, on a eu un morceau qui était assez coriace. J'espère que celui-ci va être beaucoup plus simple. Mais bon, plus on avance, à mon avis, au niveau des morceaux qui sont proposés, plus effectivement, ça va être compliqué. Après, je m'arrange quand même pour avoir les rangs A, pour se donner un aperçu, hein. Et là, on a two legs, nothing to hit. On va tester ça. Alors, je vous garantis pas que je réussis du premier coup, mais ça vous donnera un aperçu du morceau. 2, 1, go! Oula! Ah! Au secours! Wouah, trop dur. Je vous avoue, c'est hyper chaud. Pour faire les enchaînements, il va falloir s'entraîner plusieurs fois. Je suis pas sûr que j'atteigne le rang A. Je vais réessayer, mais je vous garantis pas. Je vous garantis pas parce que ça a l'air quand même bien chaud.
On va essayer quand même d'atteindre le rang 1, mais j'y crois pas trop, parce qu'il y a des enchaînements de notes qui sont bien compliqués. Et puis coordonner la gauche et la droite, c'est dur, c'est dur. Allez, on réessaye quand même. Attention, c'est parti. Pas facile, pas facile, on a fait un petit peu mieux je crois, mais et pas encore ça, rang B, est-ce que je retente une dernière fois, je sais pas si je ferai mieux, il manque un peu de points, j'ai raté pas mal de notes, bon, après j'ai fait du rang A sur les autres, je sais pas, après ouais il y a 4 étoiles, hein, forcément c'est plus dur, je suis pas sûr de faire mieux, on va s'arrêter là, on va quand même avancer l'histoire principale, et peut-être par la suite je ferai de nouveau les morceaux. Peut-être qu'on aura bien avancé au niveau de l'histoire de l'Explo, pourquoi pas rattaquer les morceaux au piano. C'est effectivement, c'est bien chaud. On pourra même faire un épisode spécial. Vos performances au piano. Alors, Two Legs, Nothing to It, Rambi, et on peut avoir affaiblissement offensif au niveau du prix. On va le prendre. Je crains, hélas, ne pas avoir de récompense pour vous actuellement. Quoi qu'il en soit, je vous prie de continuer à vous exercer au piano. Ok, donc effectivement, alors je vais regarder, du coup on pourra pas avoir la récompense du fait qu'on est au rang B, il faut avoir minimum le rang A. Bon, on essaiera un peu plus tard avec le dernier morceau, c'est pas grave, pas très grave, on y reviendra avec les deux derniers morceaux, j'essaierai de décrocher les rangs S. Alors du coup, là je pense qu'on a quand même bien tout visité au niveau de Cosmo Canyon, on va essayer de se diriger sur la quête principale, je crois que je dois remonter. Et prendre une sorte d'ascenseur, j'avais vu ça. Allez, c'est Bolki. Holiday, let's go. Alors, ça tombe bien. J'ai bien fait de venir ici. Il y a une matéria là. Matéria chakra à une étoile. Ok. Un morceau de titane des prés. Même pas mal de petites choses intéressantes, hein. Alors on avait Chadley, je crois qu'on l'avait déjà vu Chadley, le... Tous les êtres de cette planète font partie de la même famille. Le panneau des annonces également. Et il me semble qu'il faut que je monte, hein. J'avais bien vu, il faut grimper. Je crois que c'était par ici que j'ai eu Red qui montait. Alors montons, allons-y. Il avait pris une sorte d'ascenseur et je crois que l'ascenseur... faut peut-être encore grimper par là. Je réfléchis en même temps. Ah voilà, c'était au bout là-bas.
Normalement, c'est au bout. Et il y avait une sorte d'ascenseur, je l'ai vu grimper. Notre ami Red. Alors, est-ce qu'on a bon? Là, on avait eu le photographe, ok. Ah ouais, ça a l'air d'être ici. Eh ben, ascenseur de l'observatoire. Eh ben, allons-y. Et il a parlé, ouais, de son grand-père. Je me demande qui est le grand-père de Red, je ne me souviens plus. Ça monte quand même pas mal, ça a l'air bien bien haut. On va rejoindre les hauteurs. Ok, à mon avis on a une sacrée vue de là où on est. Je vais en profiter pour regarder la vue. Oh, effectivement ça fait haut hein. Et c'est bien bien vaste hein, la région de Cosmos. J'ai hâte aussi de vous le faire visiter quand on attaquera l'exploration. Là, on va vraiment se diriger sur l'histoire. Bonjour toi. Ah non, pas par là. Je suis navré, mais nous n'acceptons pas les visiteurs. C'est ici que sont entreposés nos biens les plus précieux. Il n'y a pas de problème, mon cher jeune homme. Alors, continuons. Ok, je crois que Red avance toujours aussi rapidement. Alors, est-ce qu'on peut interagir avec le télescope? Non, ça fera juste office de déco. Ok. Ah, ce sont les gens dont je te parlais, grand-père. Oh, oh, oh. C'est donc vous qui avez pris soin de Nanaki. Je m'appelle Bugen Hagen. Il se trouve que je sais deux ou trois choses sur la planète. Et j'enseigne donc la planétologie ici à Cosmo Canyon. Deux ou trois choses? Tu es modeste? Je doute honnêtement qu'il y ait quoi que ce soit que tu ignores. Oh, 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 oh. Bien sûr, je sais beaucoup plus de choses qu'un enfant comme toi. J'ai 48 ans maintenant, au cas où tu aurais oublié. 48 ans? Oh, 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 oh. Le peuple de Nanaki a une grande longévité. Si je devais la comparer à celle des humains, je dirais qu'il n'est encore âgé que de 15 ou 16 ans. Ça fait de moi un adulte. Je suis capable de protéger cette vallée et ses habitants. Parce que moi, je suis pas un lâche comme mon père. Oh, oh, oh. Nanaki, dis, as-tu pris soin d'aller saluer les personnes qui vivent dans la vallée? Pas encore. J'y vais, là. Mm-hmm. Oh, toutes mes excuses. Et maintenant, que diriez-vous de venir voir à l'intérieur? Ok, donc apparemment, il y a eu un souci avec le père de Red, enfin... qu'ils appellent Nanaki. Je dirais, hein, c'est comme ça qu'on l'a connu dans les débuts avec ce nom-là. Mais il aurait son vrai prénom, ce serait Nanaki. Et il aurait eu un petit souci avec son padré, je dirais. On va essayer d'en savoir un peu plus au fur et à mesure qu'on avance sur l'histoire. Alors, je peux pas m'empêcher de récupérer les objets. Je vais aller sur le côté avant de continuer. J'ai vu qu'il y avait des matériaux. Ce ne sont pas nos semblables, ni aucun être vivant avec qui nous partageons notre magnifique planète. Oh, les sauges, il faut vraiment que je pense à les vendre, j'y pense pas à chaque fois. Ça me permettrait de récupérer quand même quelques guilds. Alors j'adore le grand-père qui est sur une grosse boule de matériel, c'est stylé. J'adore l'ambiance, franchement, j'adore l'ambiance. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. C'est vraiment classe. Il y a des bouquins partout. Ok. Nanaki a l'air de s'être bien aguerri grâce à vous. Découvrir le monde extérieur lui a apporté une vigueur qu'il n'avait pas avant. Ok. Voici l'observatoire où nous collectons les savoirs sur la planète. Je sais pas où dois-je aller. On va grimper là-haut, on va voir. Ah, attendez.
J'ai eu qu'il y a une petite interaction par là. Ceci est une reproduction de notre planète et des astres qui l'entourent. Et nous pourrions dire que les grains de poussière qui s'y sont accumulés représentent ses habitants. Ok. Donc c'est une maquette céleste. Si tu touches à ça, tu risques bien de provoquer une avalanche. Montagne de livres, ok. Alors, est-ce qu'on a d'autres interactions autour de nous? Alors, je ne vois rien pour le moment. Alors, attendez, si, regardez, il y a un grand, grand manuscrit ici. La moitié des écrits. Cet appareil sert à enregistrer l'activité de la planète. Son mécanisme est extrêmement délicat. Faites donc bien attention en le manipulant, s'il vous plaît. Instrument de mesure. Ok. Pas mal de petites choses hein, qui sont intéressantes. On va regarder si je vois autre chose autour de nous. On peut éventuellement aller par là. J'ai l'impression qu'on a plus d'interaction. Alors je vois un point là, peut-être par ici. On peut éventuellement peut-être aller voir à l'étage. On va peut-être en profiter. Ah, attendez, ouais, j'avais pas vu. Ce cristal renferme des souvenirs de la planète. J'ai toujours trouvé que son scintillement cachait quelque chose de mystérieux. Matériel naturel. T'inquiète surtout pas, ma jolie. Je vais prendre bien soin de toi et te rendre toute brillante. Ok, on a vu pas mal d'interactions. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, du coup, il y a vraiment. Il y en a partout. J'ai du mal à me repérer tellement il y a de choses. On peut peut-être monter là-haut pour le coup. Bah allons-y, on va voir ça. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Eh, détends-toi. Il va m'embrouiller le mec, attention, ça rigole plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est raide. On dirait bien. C'est une image de Nanaki quand il était tout jeune. À cette époque, il n'arrêtait pas de me jouer des tours, le sacripant. Ceci est l'un des tout premiers détecteurs de Mako jamais inventés. Mais il est visiblement en fin de vie. Le premier détecteur de Mako, ok. Ah, peut-être autre chose à visiter avant de passer cette porte. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais, bah, du coup, je vais passer cette porte. Allons-y. Chaque chose en son temps. Je vous montrerai cette pièce plus tard. D'accord, apparemment faut encore explorer. Alors qu'est-ce qu'on aurait d'autre à explorer? Ça fait quand même pas mal le tour. Après je vois pas s'il y a d'autres interactions. Ah, je vois qu'il y a encore un escalier, ah oui. C'est pas fini, les amis. Il y a encore de quoi grimper. Allons-y. Visitons.
sur une montgolfière. Ceci est une maquette de générateur de courant d'air. Cet appareil utilise la force naturelle du vent pour créer ses propres bouffées d'air. Mais peut-être avez-vous déjà eu l'occasion d'en voir en vrai. Donc c'était générateur de courant d'air, pas des ventilos comme je disais sur certains épisodes, je m'étais planté. Alors du coup il est redescendu. Je sais pas si je dois continuer à monter ou redescendre. On peut toujours monter, on peut voir éventuellement ce qu'il y a là-haut. Allons-y. Alors qu'est-ce que c'est cet engin? On dirait un... Oula, c'est énorme. Un gros... Un mégascope, je sais pas. Vous avez devant les yeux le plus grand télescope de la planète. Il permet d'observer la galaxie dans son entièreté. Il n'y a pas meilleur instrument pour observer notre beau ciel étoilé, même si la lentille a besoin d'un bon coup de chiffon. Vous m'en voyez désolé. Ok, donc c'était le fameux télescope. Gigantesque, hein. Oh lolo. On va faire quand même le tour du propriétaire, s'il y a autre chose. Ok. Alors, je pense qu'on va pouvoir redescendre. On va peut-être pouvoir accéder à la fameuse porte là. Je n'avais pas vu. L'activité de la planète a une impact. Hop, allez, madame. Oui, un sacré son là. C'est quoi? Tube acoustique. Et cette voix? C'est le cri de la planète. Elle exprime ainsi sa tristesse. On l'entend bien trop souvent ces derniers temps. Grâce à ce tube acoustique, on peut l'entendre gronder depuis les entrailles de notre astre. Il ne s'agit pas du cri de la planète. C'est la voix des armes. Celle qui la protège. Oh! Tu m'as l'air bien sûr de toi, ma jeune amie. Avant de venir ici, nous avons vu plusieurs armes. Aux réacteurs de Gongaga et de Corel. Elles étaient gigantesques. Oh! Ce que tu me racontes là est pour le moins intéressant. Mais... les symptômes d'une intoxication à la Mako peuvent être variés. Il faut donc être prudent. Hein? Mais... Oh, oh... Je vois... Je comprends... J'ai l'impression qu'aucun de vous ne possède la moindre connaissance en planétologie. Eh bien, il est temps d'y remédier. Suivez-moi, je vous prie. Ouh là 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 là, je sens qu'on va apprendre plein de choses, les amis. Leçon de planétologie. Ok, ok, ça risque, à mon avis, d'être très très intéressant. Parce qu'elle n'avait pas l'air d'être d'accord avec Tifa sur ce qu'elle a eu, pourtant ce qui était énormissime hein, sur... lorsqu'on avait fait l'épisode du réacteur Mako abandonné, qu'on avait vaincu Scarlett, hein, et que Tifa était tombée dans l'eau, c'était quand même assez intense. Apparemment, on ne saurait rien encore de tout ça. Attention, ça risque d'être... Regardez, ceci est mon planétarium. Ok. Il y en a un modèle beaucoup plus récent installé dans la tour Shinra. Mais celui que vous voyez ici est l'original que j'ai fabriqué. Très bien. Il est temps de commencer. C'est beau.
Oh, oh. Et vous n'avez encore rien vu. Oh, une étoile filante. La planétologie, c'est l'observation de notre planète et de notre univers. Une profonde compréhension du cycle de la vie forme la base même de notre discipline. Voyez cet astre, c'est notre planète. Et ce n'est que grâce à son abondante énergie vitale que l'humanité a pu voir le jour. Ainsi nous vivons, et un jour nous finissons par mourir. Mais alors, que se passe-t-il lorsqu'on meurt? Le corps se décompose, il retourne à la planète. Dans ce cas, qu'en est-il de l'esprit, de ce qu'on appelle aussi l'âme ou la conscience? En réalité, tout comme l'enveloppe charnelle, l'esprit retourne à la planète. Il se mêle alors aux autres pour former de grands courants qui sillonnent tout notre astre. Ces courants circulent, se rejoignent, se séparent et constituent ce que nous connaissons sous le nom de rivière de la vie. Comme son nom l'indique, la rivière de la vie est donc un immense courant composé d'énergie spirituelle. Cette énergie est indispensable à la planète. Elle ne pourrait tout simplement pas exister sans elle. Et donc, si par malheur la rivière de la vie venait un jour à se tarir... Ces principes sont les bases même de la planétologie. Utiliser la Mako gaspille l'énergie spirituelle? C'est bien ce que ça veut dire? C'est bien ça, oui. Une fois puisée, puis transformée en Mako par divers procédés, l'énergie spirituelle ne peut plus remplir son rôle. Elle est alors consommée par des machines et disparaît à jamais. Vous en êtes sûr? Elle disparaît complètement? Est-ce qu'à l'inverse, on ne pourrait pas imaginer que cette énergie revienne à la rivière de la vie sous une forme différente? Qu'est-ce que vous en dites? C'est intéressant. Non, c'est plutôt saugrenu. Je pense que tu aurais tout intérêt à participer à notre séminaire. Vous avez appelé? S'il vous plaît, conduisez cette jeune demoiselle à la salle du séminaire. Par ici, s'il vous plaît. D'accord. Oh, je viens aussi. Ok, donc c'était fort intéressant de ce qu'on vient apprendre. Et là on est sur le séminaire de la planétologie. Donc effectivement, du fait qu'on puise l'énergie de la planète, hein, et avec la Mako, et ben, on la détruit tout simplement, hein, de ce qu'ils viennent dire. Parce qu'en fait, lorsque tout ce qui fait partie de la planète vit, meurt, tout revient à la planète. Mais si on puise l'énergie de la planète, et ben, ça risque de la détruire. C'était plutôt bien résumé, très bien raconté. Juste de ne pas avoir cette cinématique, moi j'ai trouvé plutôt formidable. Donc là, on a Tifa et Iris qui vont faire le séminaire de la planétologie. Alors je sais pas si on a le droit d'y aller. J'ai pas l'impression qu'on est invité. On va quand même avancer. Alors est-ce qu'il faut que je redescende, est-ce qu'il faut que je monte? Je sais pas.
Apparemment, ça se passerait au niveau des paliers des apprentis. Donc, je pense qu'on va devoir descendre. Eh ben, allons-y, descendons. En tout cas, ouais, c'était bien, bien intéressant. J'ai bien aimé comment tout cela est raconté. Alors là, on se retrouve où? Nous vous sommes très reconnaissants d'avoir veillé sur Nanaki. Merci beaucoup. Bugenhagen nous a prévenu qu'il vous avait donné l'autorisation de prendre ce qui vous serait utile pour vos voyages. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Alors faites-vous guider jusqu'à l'entrepôt. Alors c'est une histoire annexe, le cadeau de Bugenhagen. Alors on va le suivre, du coup. Du fait que c'est gentiment proposé. Alors ça se passe ici? Ok. Le cadeau de Bugenhagen. Oui. Observatoire de Cosmos et l'entrepôt. Apparemment, on peut se servir. Il y a des, coffres et tout. Ok. Alors, les sauges, c'est vrai qu'à chaque fois, j'en suis rempli. Il faut vraiment que je fasse le ménage. 5 médailles Mog. Alors, quand on va attaquer l'explo, je vais être bien paré pour les médailles Mog. Hein. On va avoir de sacrées récompenses, à mon avis. Samuel Gill, bah, tant qu'à faire. On prend. On n'hésite pas. Et là, apparemment, on pouvait descendre par ici. Allons-y. Alors, est-ce qu'on peut monter par là? Non. Un morceau de cosmolite enchanté. Ok, alors apparemment je peux descendre encore. Pas mal de choses intéressantes. Une maxi potion. Un mégaphone de cristal. Alors tiens, on va regarder. Pendant qu'on y est, on va voir si on peut l'équiper à Kaycit, le mégaphone. Alors effectivement, on gagne surtout, aussi bien sur l'attaque physique que l'attaque magique. Et on aura la compétence invocation à la Mog. Ok. Gros Mog appelé déclenche aléatoirement une compétence de matériel d'invocation si les espères sont invocables. Oh. Délai de recharge allongé à chaque utilisation. Bonus de maîtrise, achever un ennemi avec invocation à la Mog. Oh, c'est pas mal ça. Bien sûr qu'on l'équipe. On peut insérer quelques matérias. Donc là, on avait quoi? Alors, anti-bravoure, anti-foi. On avait air d'effet. On avait le soin, on avait la foudre. Alors, pour moi, il va falloir vraiment que je m'intéresse aux espères aussi. Ce serait pas mal. Est-ce qu'on a une petite matéria passive pour nous aider? Augmenter les PV, tout ça. Garde précise, renforcée. Alors, je crois que j'avais déjà équipé quelque chose de ce style sur Kaycit. Après, éventuellement, est-ce que j'ai des matéria? Suite à des éléments, je ne sais pas, je vais regarder. On a la foudre ici, mais je crois qu'on l'a déjà équipée. On a le vent. Alors, on a bénéfice qui permet d'utiliser toxine. Bah, tiens, pourquoi pas? Allez. Et on a Mog cuirassé réduit de 15% les dégâts subis par le gros Mog. Ça peut être pas mal. Alors, on va regarder quand même ce qu'on a d'autre. Augmente de 100 la chance à dos de gros Mog. Attaque normale 5%. Coup des sorts offensifs qui réduit le coût en PM des sorts offensifs et coup des sorts curatifs. Après, on va augmenter la chance, je trouve ça pas mal. Ok, allez, on continue notre petite visite. C'est parti. Alors, attendez, je crois qu'il faut qu'on descende par ici. Là, on est où du coup? On peut peut-être redescendre par là. Alors, je sais pas si on est déjà venu par ici. Est-ce que c'était le fameux ascenseur d'où on est venu? Je crois que oui. On va pouvoir le reprendre.
essayer de rejoindre Tifa et Iris pour le séminaire. Je sais pas qu'est-ce qui nous prépare. Tiens, un Ayofi qui est juste ici. Est-ce qu'on peut causer Ayofi? Tout ce qu'on trouve ici, c'est de vulgaires imitations. C'est vraiment nul, cet endroit. D'ailleurs, je parie que ces planétologues, c'est une bande de pseudo-savants qui racontent des sornettes pour se faire mousser. Ok, il est pas content. Yuffie, s'il n'y a pas de matéria, il n'y a rien qui l'intéresse, j'ai l'impression. Alors... Maître Bugenhagen m'a tout expliqué. Je vous invite avec plaisir à assister au séminaire. Je vais vous guider jusqu'à la salle. Ok, alors allons voir ce séminaire, ça m'intéresse. Avez-vous déjà sondé votre propre univers intérieur? Ici? Un séminaire est actuellement en cours. Veuillez ne pas faire. Pour tout vous dire, j'ai toujours été costaud. Même quand la salle du séminaire, donc comme on a vu, il faut continuer. La peinture et les poèmes aux allons-y. Mon père détestait le fait que je sois trop casanier. Et il me réprimandait régulièrement à cause de ça. Selon sa logique, en n'exploitant pas mon physique, je galvaude. Bien. Et toi, jeune femme, veux-tu bien partager avec nous quelque chose de ton vécu? Alors, en fait, comment dire? Je suis tombée dans la rivière de la vie. Le cœur de la rivière de la vie est d'une beauté époustouflante. Je m'y suis remémorée beaucoup de choses. J'ai été envahie de sentiments bienveillants et de pensées que j'avais oubliées depuis très longtemps. C'est un endroit tellement paisible et agréable. Toutefois, il y a aussi un terrible conflit là-bas. La planète y affronte des ennemis qui veulent la détruire. En tout cas, ce que j'ai compris, c'est que nous devons vivre en harmonie avec elle. Elle a besoin de nous, de notre force, à nous tous, pour faire face à cette menace. Mais bon, je ne sais pas encore comment il faut se battre. Je pensais le découvrir ici, mais... Je ne dis pas ça pour critiquer la planétologie. Je ne cherche pas non plus à vous faire peur. Seulement... Comment dire? Pardonnez-moi. J'ai du mal à m'expliquer. Tu n'as vraiment aucune raison de t'en vouloir. Nous serons toujours prêts à écouter ce que tu voudras bien partager avec nous. Je te prie donc de continuer à réfléchir. Il n'y a qu'ainsi que tu trouveras la réponse que tu recherches. Bien. L'heure de la cérémonie du retour à la planète est proche. Mes amis, je prie chacun d'entre vous de se rendre au flambeau. Moi aussi, je pars devant. Ok, ok. Le retour à la planète. Alors, est-ce qu'ils vont faire une sorte de cérémonie? Je ne sais pas. Là, on avait le séminaire. On va continuer à avancer pour en savoir un peu plus. Alors où dois-je aller? Est-ce que je dois redescendre? J'ai bien l'impression qu'on doit retourner au niveau du palier de l'errance. Il faut que je trouve comment on peut descendre. Alors, si je prends cet ascenseur, je crois pas que ça va me faire descendre, ça va me faire monter, à mon avis. Donc peut-être pas par là. Quoi? J'essaie de me repérer un peu.
Deuxième dernier, il est grand le village. Il est assez grand, assez vaste. Alors je vais en profiter. Alors, c'est pas partie de l'histoire, mais. J'ai des remèdes dont la recette. On va vendre depuis le temps que j'en parle les différents matériaux que j'ai. Est-ce qu'on peut les vendre ici? Ah voilà. On est dans les minerais. Tu vois, charité de la planète, j'en ai beaucoup. Donc, histoire de libérer quand même un peu de place. Et là où on est, voilà, c'est les. Alors les gingembre de perlé, je savais pas que j'en avais autant. Après on en trouve partout également. Donc ça faut pas hésiter à les vendre. La sauge, alors ça, c'est mortel. On en trouve partout. Je peux bien en vendre la moitié facilement. Hein. Faut pas hésiter. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Le laurier, je peux en vendre quelques-uns, parce qu'on en a un peu. C'est histoire de vraiment libérer un peu de place hein, pour qu'on se retrouve pas non plus. Avec trop de matériaux, poudre magique, c'est pas très rare. On peut les vendre. Alors qu'est-ce qui est. Alors le minerai de zinc, c'est pareil, ça on en a beaucoup. Région de corail, il y en a beaucoup également, donc on peut en vendre. Faut pas hésiter. Le minerai de fer, je vais en vendre juste un petit peu, pas trop non plus. Ouais, c'est déjà bien. Et puis là, je pense qu'on est pas mal. Hein. On est pas mal, c'est histoire de libérer un peu les emplacements. Et on va pouvoir continuer la suite. Allez, poudre magique, je refais un petit check. Et c'est bon. Ok. Allez, on continue. Avez-vous trouvé tout ce qu'il vous fallait? Alors, où dois-je aller? À gauche, à droite? Peut-être à droite? Ok, on y est. On est apparemment à la cérémonie du retour à la planète. On peut interagir avec les différents personnages. On profitait avec Barrett. J'ai papoté avec un mentor tout à l'heure. Il m'a affirmé que c'était présomptueux de vouloir sauver la planète, dis donc. Soit disant que la planète s'occupe très bien d'elle-même. Si elle devait être polluée, elle arriverait sûrement à se purifier toute seule, paraît-il. On devrait se contenter de la laisser faire. À la place, il faudrait seulement étudier. Bon, pour moi, on doit se battre quand même. On doit se battre, sinon rien ne changera. Pas vrai? Je savais bien que tu serais du même avis que moi, mon brave Cloud. Ouais, faut quand même la défendre, cette planète. Hein. Je suis passé pour une idiote tout à l'heure. T'étais parfaite. Moi, j'ai compris ce que t'as dit. Ils savent pas écouter. J'aurais aimé que ce soit plus unanime. C'est pas de ta faute. Merci, Cloud. C'est gentil. Ok, alors on a plusieurs interactions. Il nous reste... Aerith, je crois. Il nous reste Red également. Notre planète mère. Notre chère planète. Ça me rappelle quand j'étais encore tout petit. On était réunis autour du feu. Comme ce soir. Avec ma mère. Et mon père. Non. Fais comme si j'avais rien dit. Tu peux en parler, t'inquiète pas. Hein. Tu peux me parler, tu sais. Chaque fois que je pense à ma mère, mon cœur se remplit d'une telle fierté que j'ai l'impression d'avoir des ailes. Par contre, dès que je pense à mon père... Oublie ça. Je t'en parlerai une autre fois. Apparemment, il y a eu vraiment des soucis avec le père de Red. Ils font ça parce qu'ils pensent que les morts retournent à la planète. Tu parles. Moi, en tout cas, j'y crois pas un seul instant à tout ça. Il n'y a plus rien quand on meurt, pas vrai? Ah, je suis pas tout à fait d'accord. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Il n'y a pas de raison particulière. Je crois seulement ce que je vois de mes propres yeux. C'est tout. Ok.
Et il nous reste apparemment Aerys. Et ça va continuer apparemment sur le déroulé de l'histoire. Je suis une ancienne. Une descendante du premier peuple de la planète. Ce qu'on appelle aussi les Cetra. Nous étions nombreux, mais aujourd'hui il n'y a plus que moi. À cause de mes origines, toute ma vie, j'ai été surveillée. Et on m'a enfermée afin de m'étudier. Les gens ont peur de moi. Et parfois même, ils préfèrent m'ignorer. Mon sang n'est qu'une malédiction. Même dans les moments de joie ou de bonheur, quand je pensais à tout ça, j'étais triste. Ça me hantait. Tout le temps, à chaque instant. Pour moi, vivre normalement était impossible. Je l'acceptais. J'étais résignée. Mais c'est aussi grâce à mes origines que j'ai rencontré mes compagnons, que je me suis fait des amis. Grâce à eux, je vais mieux maintenant. Je suis enfin heureuse. Toutes mes angoisses ont disparu. Désormais, j'essaie d'être quelqu'un de bien. Non seulement pour moi, mais aussi pour mes amis. Peu importe mes origines, ça me suffit. Il est temps maintenant. Je pensais pas que tu serais là. Ça m'a demandé un petit effort.
Je te cherchais, Nanaki. Grand-père. Je dois te faire part de quelque chose d'important, mon garçon. Vous voulez bien nous accompagner, vous aussi ? Qu'avez-vous pensé de la cérémonie du retour à la planète ? Ces derniers temps, pour une raison que j'ignore, il y a de plus en plus de touristes qui viennent y assister. Lorsqu'on leur demande leurs impressions, ils disent souvent que c'était très beau. Certains ont trouvé ça tellement grandiose qu'ils en sont même émus aux larmes. Je dois dire que les avis sont en très grande majorité positifs. Cette cérémonie est chargée en énergie spirituelle. La plupart des gens la ressentent au plus profond d'eux-mêmes, et leur cœur déborde d'émotions. Malheureusement, ils ne vont jamais plus loin que cela. Aucun d'entre eux n'a la volonté de s'intéresser à la planétologie. Ce qui est vraiment regrettable. Les chiens et les chats, les oiseaux, les poissons, et même la végétation, tout le monde sait que ce sont des êtres vivants, n'est-ce pas ? Un bébé qui vient de naître, des fleurs qui éclosent. Tous ces événements rappellent régulièrement à chacun la beauté du cycle de la vie. Et pourtant, la vie de la planète n'intéresse personne. Toutes mes excuses, j'ai toujours été trop bavard. Et croyez-moi, cela ne s'arrange pas avec l'âge, malheureusement. Ok, ok. Donc là, on a vu une partie de la planétologie, on a vu aussi le séminaire de la planète, ce qui était vraiment, comme il disait, très très beau, mais c'est vrai qu'on en sait... La plupart, apparemment, du moins dans l'univers de FF7, s'intéresse pas forcément à la planétologie. Mais j'ai quand même hâte de découvrir la suite. Bien entendu, ce sera pour le prochain épisode. C'était un épisode très calme, très posé. Mais on en a su un peu plus sur le sens de la planète, comment elle fonctionne, quoi. Ok, et ben les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. Et j'ai hâte de vous présenter la suite prochainement. Et pour ceux qui découvrent la chaîne Lady Phoenix, et ben n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien manquer. Je tourne des épisodes quotidiennement sur ce FF7 Weebles qui est un vrai régal, une vraie merveille. Et avec un maximum de plaisir que je tourne ça et que je vous fais partager. En tout cas, je vous dis à très bientôt, les amis, pour des futures vidéos. Salut tout le monde!